y est. Enfin, on est parti. Alors vite, on se prend Diddy Kong. Et où est notre fameux carrosse royal? Il est ici. On se met évidemment en mode manuel. Et c'est parti. Bon, parce que là, ça fait plus de 10 minutes qu'on attend un joueur. Monsieur Retro Gamer, qui n'arrive pas à rejoindre la partie. Ben, désolé Retro Gamer, hein, je sais pas ce qui t'arrive, t'as un bug. Mais on est obligé de commencer sans toi, on va pas t'attendre la nuit. Donc voilà, vous voyez tous les participants. Membre évidemment de Hooper.fr, c'est parti. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. On va faire aléatoire. Hein. Je ne me souviens même plus des cours, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas rejoué à Mario Kart Wii. Donc aujourd'hui nous faisons une vidéo défi sur Mario Kart Wii. Avec quelques membres donc du forum. Voilà, donc c'est un tournoi qui est organisé par Monsieur Lolo87. Merci à lui. Et donc c'est un tournoi qui va se dérouler en plusieurs jours, hein, plusieurs manches et tout. Ce soir, moi je fais deux sessions. Je fais les deux sessions histoire de pouvoir jouer avec tous les participants. Deux grands prix par session, donc là ça commence. Hein. Je pense qu'on doit faire en fait ton premier grand prix. Alors, attendez, comment on accélère? Oui, c'est là, c'est là, c'est le A, c'est le A, c'est le A. Oh putain, cette course, je m'en souviens plus du tout. Ça, c'est la Ghost Valley de l'épisode Super NES. Et évidemment, oh putain, j'ai eu du bol. J'ai pris l'aspiration de je sais pas qui. Et c'est parti. Je vous réexpliquerai un petit peu les règles du défi tout à l'heure. Concentration du gros ours. Merde, j'ai pas pris d'item. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas trop mal. Oh oui, ça, c'est. Oh, ça, c'est. Oh, c'est un mauvais cadeau, je m'en doutais, ça. Ça, je m'en doutais. Non, 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 va-t'en de là, toi. Foiré de Wormy, là. Laissez-nous avoir cette espèce d'embaffé. Qu'est-ce que je disais? Oh non, pas le Pau. Putain, le Pau. Je sais toujours pas comment on se dépêtre du Pau. C'est trop fort parce que à chaque fois que je fais une vidéo de Mario Kart, je dis toujours, mais comment on fait pour ne pas se faire toucher par le Pau? Et donc, vous êtes toujours quelques-uns dans les commentaires à m'expliquer comment ça se passe. Je vous lis, mais en fait, j'oublie à chaque fois. Voilà. J'oublie à chaque fois, donc... Donc je... Oui, oui, non, l'aspiration, j'aurais dû rester derrière lui, j'ai fait le con, là. Ah, j'aurais dû rester derrière Jojo City. C'est là-bas, en fait, qu'il faut passer, mais je sais pas si on peut... Non, cette malchance de ouf. Oh, la malchance. Alors là, énorme. J'avais trois accélos, pile-poil au moment. Dixième, je suis dernier. C'est magnifique. Malchance de ouf, les mecs. Même avec une étoile, ça m'étonnerait que je puisse revenir... On est au dernier tour, non? Putain, on est au dernier tour. Oh putain, 9. Oh, 10ème. Oh non, mais. Voilà. Honnêtement, je vais vous dire un truc, les mecs. Je vous laisse seul juge de ce qui s'est passé. Honnêtement, je pouvais rien faire, quoi. Je pouvais rien faire. Je m'apprêtais à sauter l'espèce de petit tremplin qui est en fait un raccourci de cette Ghost Valley. Un éclair juste avant. Pourtant, j'avais 3 accélos. J'étais en bonne phase, je ne pouvais strictement rien faire, je suis tombé dans le trou, ça m'a ruiné la course, je suis 9ème. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ce que je vous dis là? Non mais si c'est de la mauvaise foi, faut me le dire, hein. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Je suis tout oui, mais honnêtement, je crois pas que ça soit de la mauvaise foi, faut pas déconner quoi. C'est juste de la malchance, c'est ça. Donc je disais, oui donc évidemment cette vidéo défi, le but c'est de finir premier, c'est mal parti, hein. Je crois qu'on peut le dire. Et donc c'est en plusieurs sessions puisqu'il y a pas mal de participants. Et donc grosso modo ceux qui finiront en fait premier de de toutes les sessions cumulées, eh bien il y aura la finale. C'est vendredi soir, je crois qu'ils ont prévu ça. Et donc on verra si j'y suis, mais enfin à mon avis honnêtement c'est mal barré quand même. Cette course là, ah mais c'est la première course, non? C'est pas la Luigi truc ça? J'ai pas regardé, putain, j'aurais dû regarder. Ah si je crois, attendez. Ah nickel, ça c'est pas mal. Je crois que c'est la Luigi machin. Non, non, je fonce en pleine dans la carapace. Ah non, 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 c'est pas la Luigi. Attends, ah si. C'est... Oh putain, oh j'ai du bol, j'ai refilé le nuage moisi là, je sais pas qui. Ok, si. Ah mais putain, d'où venait cette carapace là? Ah, je vais essayer de me maîtriser. Vous savez quoi, je vais essayer de me contenir mais ça va être dur. À partir de maintenant, je joue bien. Donc c'est bien celle-là, ouais, c'est la première course en fait de Mario Kart Wii, celle-là. Et j'ai envie de dire c'est la pire parce que là, tout se joue sur la chance. Voilà, j'ai un éclair, logique, je suis dans les derniers. Oh putain, heureusement que je suis écarté au dernier moment. Sinon Monsieur Valkaiser n'aurait pas hésité à m'emplâtrer. Oh nickel, ça c'est beau ça. J'ai tous les démontés. Oh nickel. Allez.
voyez, tout se joue sur... Oh non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Le croc, putain, au mauvais moment. Faut que je me concentre. Faut vraiment que je me concentre. Oh putain. Ah mais en plus, ils le font exprès. Je sais qu'ils le font exprès. Ils sont énervants, hein. Ils font exprès de me viser, quoi. Non mais c'est pas drôle, quoi. Je suis désolé, hein. Moi, ça me fait pas rire, hein. Putain, je vais finir dernier encore. Ah putain, regarde-moi ça, derrière, il y en a un. On va essayer de se pousser maintenant. Ouais, regardez, genre là, il m'a pas visé le Chris. Oh non, attends, ouais. Oh non, mais sérieux, je vais péter un câble. Hein. S'ils font ça à chaque cours. Oh, dixième. Point du con, j'ai même pas atteint la ligne d'arrivée, je suis éliminé. Alors déjà, je crois bien qu'on était 11, non? Ouais, donc déjà, il y en a un qui a... Ben, la connexion a dû lâcher. Voilà. Et ce qui est con dans Mario Kart Wii, c'est que je crois bien que si votre connexion vous lâche, eh bien en pleine partie, en pleine session, vous ne pouvez pas revenir, c'est fini. Vous êtes obligé d'attendre en fait que le Grand Prix soit terminé pour pouvoir revenir par la suite. J'ai envie de dire, une aberration de plus dans le système online, dans la plateforme online de Nintendo. Mais si je dis ça, il y a encore quelques-uns qui vont dire « Oh, Hooper, il est méchant envers Nintendo !» Mais je suis pas méchant, les mecs, je suis juste réaliste. Là, oui, mais c'est l'âge de la préhistoire. C'est la préhistoire, les mecs. Je suis désolé. Attendez, il faut que je fasse quelque chose, là. Non, il y en a un qui a pas encore choisi de circuit. Non, mais dégoûté, quoi. Là, je dois être dernier. C'est incroyable. Écoutez, je vais vraiment essayer de me concentrer, honnêtement. J'ai pas envie d'accabler le jeu. Ce que j'ai déjà fait en disant que Mario Kart Wii c'est trop basé sur la chance, hein. Vous connaissez la chanson, hein, à force. Je le pense, mais je sais qu'il y a quand même un minimum de skill. Oh mais c'est encore une course pourrie ça. Je sais qu'il y a quand même un minimum de skill à avoir. Je sais même plus comment on fait les bons démarrages. Je sais plus comment on fait les super dérapages. Démarrage. Et j'ai pas eu de cadeau. Ah oui, ça c'est un circuit de la version Nintendo 64, tiens. Ouais. Mais je crois bien que là aussi c'est le... Putain, il va me toucher. Mais il va... Mais je pouvais... Mais regardez ça, je me suis décalé exprès. Mais je pouvais rien faire. Il me vise aussi. Putain, vous êtes cons là les mecs. Franchement, eh, c'est la dernière fois que je participerai à Mario Kart. Oui, voilà, ça vous apprendra. Ah non mais sérieux quoi. Je pensais qu'il serait sympa. Vous savez quoi, je pensais vraiment qu'il serait sympa. Et je perçois qu'en fait pas du tout. Voilà, c'est des gros enfoiros. C'est encore pire que lors de la précédente vidéo des films. Mais où est-ce que... Ah quoi que, peut-être que je peux passer par là-bas avec du bol. Oui, ça c'est pas... Mais putain, fait chier, je suis emplâtré dans le tunnel là. J'ai pas de bol les mecs, j'ai pas de bol. C'est Jojo City qui essaie de me piquer mon aspiration. Mais dégage, ça me prie de Jojo, va. Je crois que je t'ai pas vu. Et on me pique mes items devant moi. Reste calme, surtout reste calme. Ils sont pas loin, j'ai une chance. Putain, j'arrive même plus à faire les gros dérapages avec l'étincelle dorée là. Pourquoi j'arrive plus? Allez la Bilbao. Allez la Bilbao, Adonf. Ça me permet de revenir, ça. Voilà, là, je suis bien revenu. Ah ouais, pas mal, ça. C'était la double carapace rouge dans la tête, suivie de l'éclair, suivie d'une magnifique esquivage de carapace verte. On reste calme. Surtout, faut rester calme, voilà, faut rester. Faut respirer. Zen. Bon, pour la défense du jeu, je dois quand même avouer que je ne joue pas très bien, hein. Toi, je vais te défoncer, Kikoudes. Kikoudes. Il porte bien son nom celui-là. Voilà, Romu, qui est l'hébergeur de la partie. Espérons qu'il ne plante pas, sinon ça fait planter tout le gain. Je voulais, ah, je pensais que ça passait. Je pensais que je réussirais à passer à l'extérieur, mais non. Ah putain, la Bilbao, voilà, là par contre je l'ai bien réussi à l'esquiver. Oh putain. Oh, j'espère qu'il va pas l'autre en étoile. Oh là là, je vais encore finir dernier, c'est un truc de dingo quoi. C'est un truc de dingo. Un bon item s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Oh oui, ça me permet de... Oui, ça me permet de passer par là-bas. Ça, c'est pas mal. Cette fois-ci, je vais... Putain, ils sont rapides. Regardez-moi ça. Ils sont super rapides. Je suis quatrième. Peut-être que j'ai réussi à sauver les meubles pour une fois. Oh putain, second. Ça serait bon, ça. Oui. Oh, si là, il n'y a pas du skill, je sais pas trop ce qu'il y a. Non, vous avez vu, quoi. Sérieux. Cette course totalement basée sur la chance. On peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire, si j'avais pas eu une étoile au bon moment pour réussir à couper à travers champ, j'aurais été mort, j'aurais fini dixième. Attends, sérieux.
Bon, je suis content, j'ai réussi à me remonter. Non, parce que là, je sentais la catastrophe arriver. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, je reprends du poil de la bête, là. Ça fait plaisir, nom de Dieu. Mais en tout cas, je les retiens parce que maintenant, je sais qu'ils me visent. Je sais qu'ils me visent tous. Dès qu'ils ont une étoile derrière, ils me visent direct. Bon, on va essayer de voter pour une course que je connais, peut-être. Alors, attendez, une course que je connais. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, nom de Dieu. Ah, mais oui, la Rainbow Road. Je la connais, celle-là, oui. Oui, la Rainbow Road. La fameuse Rainbow Road. Et je suis le seul à la choisir, ce qui est rare, hein. Ouais. Je me demande qui c'est qui a planté. Parce qu'on était 11. Donc, il y en a un qui a forcément planté. Il y en a un qui s'est déco. Je sais pas qui c'est. Bon, c'est pas Jojo City, c'est pas Lolo, c'est pas Kikoudes. Kikoudes, non mais c'était pas Non mais c'était pas ça, c'est pas possible. Son pseudo c'était pas Kikoudes quand même. Non, c'est pas possible de me gourer. Attendez, le bon démarrage, voyons maintenant. Putain, c'est quand déjà? Ah oui, celle-là elle est pas mal. Ah, celle-là elle est pas mal, parce que pour l'instant on a vraiment eu que des courses moisies, on peut le dire. Celle-là elle est pas mal. C'est une des courses d'ailleurs de Mario Kart Wii, hein. Exclusive à Mario Kart Wii. Oh non, 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 pas la Bilbo! J'ai pas eu le temps de m'éloigner. J'ai envie de dire vivement. Vivement le Mario Kart de la Wii U. Ouais, ça c'est pas mal. Même si là ça me sert pas trop parce qu'il y a des tremplins partout. Ça va quand même permettre de revenir un poil. L'attention surtout de pas tomber dans le ravin. Puis c'est vraiment. Non, non, le cadeau! Bah, là c'est ma faute. C'est ma faute. Il faut l'avouer. Je joue mal également, hein, je me prends les saloperies d'items qui se trouvent sur la piste, donc il faut le dire, je joue mal également. Hein. C'est un cumul de deux choses, c'est à la fois la malchance, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? C'est à la fois la malchance, mais c'est aussi un manque d'entraînement flagrant, un manque de skill. Hein, voilà. La seule bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que je suis dernier, je suis réellement dernier. Quoi. Et non! Quel enfoiré! Je vais forcément avoir un item de la mort, c'est obligé. Et voilà, un éclair, c'est ce qu'on appelle un item de la mort. Qui va me permettre de grappiller évidemment plusieurs places. Nickel, j'ai évité le nuage. Sinon, j'étais mal barré là aussi. Alors, évidemment, quand on est en l'air, toujours bien faire la figure. Oh, nickel, ça c'est pas mal. Oh, nickel, j'ai évité le cadeau. Là, je suis bon là. Là, on est pas mal. Non, ça c'est pas bon par contre. Bon, vous avez vu là. Je pouvais rien faire quoi. Il y en a un qui m'est rentré dedans en étoile. J'étais mort. J'étais fait comme un gros ratanas. Par où il faut passer là déjà? Attendez, voyons. Voilà, là je prends un item. En fait, je reviens par là, je reprends un item, c'est ça non? Ah, je me souviens plus. Oh mais non! Quelle malchance! Putain, il y a un. Comment il s'appelle déjà? Un mascasse, non? Ouais, je crois que c'est ça, oui, les mascasses là. De Mario. Je suis fait niquer par ça. Bon, je peux me le faire. Dernier tour. Je suis 7ème. Un bon item, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas mal. Ça va me permettre au moins de ne pas. Oh nickel, je crois que j'en ai écrasé un. Je sais pas qui c'est. Je me fais poursuivre par Kikoudes, mais il pourra pas m'avoir. Étant donné que je suis gros, je pense. De toute façon, son étoile va bientôt se terminer. Un bon item. Bon, ça, c'est moyen. Toi, t'es dead. Déjà qu'il était aplati, le pauvre. Toi, maintenant, t'es aplati. Oui, non. Non, je l'ai raté. Oh. Concentration. J'en utilise un autre. Voilà, c'est pas mal. Ok, là, je suis bon. Hop là. Non, je l'ai raté. Non, j'ai encore raté l'autre item, ça c'est pas bon. Et je me suis refait avoir par le mascasse. Ah non, 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 pas maintenant. Je dis pas, je vais me faire avoir maintenant. Non, ils sont tous. Non. Je sais pas qui c'est qui m'a eu. Ah, je me suis bien fait avoir sur la fin. Ah putain, sur la ligne d'arrivée. Je sais pas qui c'est qui m'a eu. J'ai l'impression que c'est Jojo City, je sais pas. Ah non, c'est pas Kikoudes, c'est Kidodes. Excuse-moi, Kidodes. Kikoudes. Non, c'est pas Kikoudes. Ah là, honnêtement, là, j'ai pas eu de bol sur la fin. Quelle malchance. Dommage. Ah, mais c'est déjà fini le Grand Prix? Sérieux? Ah, mais ça y est, il est déjà fini en fait. Ah, mais oui, oui, ben oui, c'est 4 courses. C'est tout fini. Ah, ouais, bon, mais je crois bien que j'ai fini combien? 7ème, je crois, c'est ça. Hein ouais, 7ème. Bon, encore un Grand Prix. Et ça sera donc fini pour cette session. Et ben moi je vous donne évidemment rendez-vous de suite après pour deux autres Grands Prix de la seconde session qui va en fait se dérouler dans une heure, à 10h30. Voilà. Parce que là vous le savez pas, mais nous sommes le. On est combien? On est le 19 décembre. Et il est très exactement 9h26.
Donc le temps qu'on fasse le prochain Grand Prix à 9h45, ça sera fini. Et donc voilà, trois quarts d'heure après, on recommence, rebelote, deux autres Grands Prix, et je vais essayer de mieux jouer parce que là, ben, j'ai pas eu de bol. Non, non, j'ai pas envie de dire j'ai mal joué, j'ai envie de dire j'ai pas de bol. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre direct? Donc je vais leur dire. D'abord, je vais leur dire. Attendez, je vais leur dire. Voilà, pas d'acharnement sur moi. Je vais recommencer. Pas d'acharnement sur moi. Pas d'acharnement sur moi. Pas d'acharnement sur moi. Pas d'acharnement sur moi. Et pas d'acharnement sur moi. Non, parce que là, honnêtement, ils sont chiants. Et donc, je disais vivement le Mario Kart de la Wii U. Parce que bon, ce Mario Kart de la Wii, il est sympa, mais bon, je pense qu'on en a tous un petit peu marre. Hein. Alors après, évidemment, il y a le Mario Kart de la 3DS, Mario Kart 7. Mais en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, je ne vais pas pouvoir y jouer. Enfin, j'y ai joué, mais je ne vais pas pouvoir y jouer en profondeur, hein, online et tout, c'est pas possible. À cause une fois de plus de l'ergonomie de la 3DS. Je précise que c'est moi qui ai un problème avec la 3DS. C'est pas la 3DS qui a un problème avec moi. C'est pas la même chose. Hein. Attention, que les choses soient claires. Je dis pas que. Enfin, si, j'ai dit que la 3DS était trop petite, mais c'est pour moi. C'est seulement mon point de vue. Attention, je sais très bien que la grosse majorité des joueurs n'ont aucun problème avec le. Avec, comment dire, avec la configuration des boutons de la 3DS. Attention, je sais parfaitement que je fais partie d'une minorité. C'est clair, hein? Donc, d'ailleurs, je ne vous dis pas de ne pas prendre la 3DS, mais. Je suis désolé, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai un réel problème avec cette console et je ne peux pas y jouer. Mario Kart 7, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourtant, le jeu, je trouve vraiment pas mal. Hein. Je me suis fait pas mal de courses et tout. Bon, évidemment, ça ne révolutionne rien du tout, évidemment. Mais c'est pas mal, honnêtement, c'est maîtrisé. C'est du bon Mario Kart, mais je vais pas pouvoir y jouer une fois de plus à cause de l'ergonomie de cette console parce que c'est une torture à jouer. Donc, je ne vais pas pouvoir y jouer. Et du coup, ben, vivement le Mario Kart de la Wii U parce que là, au moins, on aura une vraie manette. Je ne sais pas si ça se jouera avec l'espèce de contrôleur le simili de tablette tactile qu'ils nous ont montré, ou alors si ça se jouera au combo quelconque, au combo Wiimote Nunchuk. J'en sais rien. Mais en tout cas, je l'attends vraiment. Ah oui. Et là, on pourra se faire des bonnes sessions. On pourra se faire. Oh putain, non. Qui me nique pas cette espèce. Non, putain, mais qu'est-ce que je fous en plus. Mais pur, génial, génial. En plein dans le buisson. Je crois que je pouvais pas faire pire. Allez, allez, maintenant je vais me faire niquer par une Bill Ball. Bon, de deux choses l'une. Soit je suis complètement nul. Et j'aurai besoin d'un bon entraînement. Soit ils sont tous bons en fait. Hein? Je sais pas. Il y a quelque chose, voilà, ils se sont tous entraînés, je sais pas, mais là. Oh du con, alors là c'est énorme ce qui s'est passé. J'avais une Bill Ball. C'est génial, putain. C'est fantastique les mecs. C'est fantastique. J'avais une Bill Ball éclair. Je perds la Bill Ball. Parce qu'évidemment, quand on se prend un éclair en pleine poire, non seulement on rapetisse, mais surtout on perd l'item qu'on avait. Donc j'ai perdu ma Bill Ball, ce qui m'aurait pourtant permis de remonter. Allez! Non, non, non! Voilà, ça c'est pas mal. Bon, allez, maintenant, on va essayer d'aller à fond. Sauf que dans ce château de Bowser, repris de la version Nintendo 64, c'est pas évident d'aller à fond. Ok, Romu. Je sais même pas si je l'ai eu. Ah, si, je l'ai eu quand même. Avant que l'éclair nous touche. Eh, je suis cinquième là quand même. Allez, concentration. Concentration. Essayez de pas faire nemp. Ok. Là c'est pas mal. Est-ce que j'ai comme item? Oui c'est pas mal. Voilà, je crois que je l'ai écrasé en plus. Je vais tous les écraser. Regardez-moi ça, ils sont tous derrière là. Putain, ils sont tous derrière. Un bon item s'il vous plaît. Un bon item s'il vous plaît. Soyez sympa. Oh putain, une bombe, quoique. Maintenant. Non! Génial, putain! Oh, c'était encore un coup énorme! Oh putain, un coup du feu de Dieu! Un coup du jamais vu! Ah putain, je vais même pas commenter ce qui s'est passé. Vous avez des yeux, vous l'avez vu, je n'en reviens toujours pas.
Je n'en reviens toujours pas de la malchance que je viens d'avoir sur le coup de la bombe. C'était proprement sidérant. Allez. Je pense comment sortir. Non, non. Oh, je l'ai évité. Salopard de Jacounet. Foiré de Jacouille. Oh, oh, oh non. Putain, non. Je suis malchanceman de Fort Boyard. C'est hallucinant, putain. Sérieux. Putain, pourquoi? Ouais, j'ai une étoile au moment où c'est la fin de la course. Génial, you. Oh, et les mecs, je crois que là, honnêtement, je crois que c'est la pire session de Mario Kart qu'on puisse imaginer. Je combine bad skill avec malchance. Item moisi. Sidérant ce qui s'est passé. Le coup de la bombe, incroyable. Oh putain, je m'apprêtais à la balarder. Mais honnêtement, en même temps que l'éclair est arrivé et m'a fait perdre la bombe, je vous assure, hein, j'ai appuyé sur le bouton pour la laisser derrière. Hein, histoire que les autres se la prennent juste au tournant. Hein. C'était le meilleur emplacement. Éclair, je perds la bombe, elle se met devant moi, elle explose. C'était du grand art, honnêtement. C'était du grand art. Attends, tu peux pas faire mieux. Mais personne peut faire mieux que ça. C'est pas possible. C'était magnifique, putain. Bon, de quoi on pourrait parler à part ça? L'épopée du 31, oui, parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Cette vidéo, en fait, elle va également servir à parler de quelques petits points. Hein. Donc, mais l'épopée du 31, oui, il y a une épopée. Il y aura donc une épopée 31 sur Castlevania. Donc, elle est tournée. Je vais essayer de la mettre à minuit pile poil. Logiquement, ça devrait le faire, mais on sait jamais. Si jamais il y a un problème, je sais pas, problème technique, peut-être qu'on la mettra un petit peu avant, quelques heures avant, je ne sais pas. Mais dans l'idée, oh putain, mais c'est énorme, il y a une fois de plus, putain, j'avais le champignon infini et je me fais défoncer. Mais sérieux quoi? Et en plus, on refait cette course pourrie. C'est énorme. Je crois que je suis en train de vivre ma pire expérience de Mario Kart, mais ever. Ever. Allez, ça va quand même me permettre, comme tout à l'heure, de prendre un raccourci ici. Passer dans l'herbe, voilà. Oh putain, oh enfin. Eh, hey, première fois que j'ai du bol, les mecs. Première fois que j'ai du bol depuis le début de la session. Je déconne pas. Putain, l'éclair qui arrive juste après que j'ai pris l'étoile. Première fois que j'ai du bol. Première fois. Voilà, il a fallu attendre presque 30 minutes. Et cet enfoiré de Wormy qui me met un cadeau dans la face. Voilà, on va laisser ça derrière moi. S'il y a un enfoiré qui veut m'embrocher au toit, Jacounet. Je vais essayer de les avoir, tiens. Je crois que je ne l'ai pas eu, là. Je crois que je ne les ai pas eu. Pas grave. Alors, oh putain, mais non. Ah, je vais me le prendre. Ah, je vais me le prendre. Il n'y a personne devant. Regardez, il est trop rapide. Je suis mort. Voilà, je ne vais pas réussir à l'atteindre. Et voilà. Merci beaucoup. Ouh, Jojo City qui a essayé de m'avoir et qui m'a raté. c'est mirobolant quoi. Oh putain. Vous allez dire que je suis mauvais joueur, j'imagine. Mais pas du tout. Quoi. Je suis pas du tout mauvais joueur. Mais bon, putain, quand on a une malchance pareille, c'est proprement incroyable, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire. Allez, un éclair. Sauf qu'on est au troisième tour. Ah, quoique ils sont là. Allez, si je prends un bon item. Je vais essayer de les écraser. Un bon item là. Oh, quoique. Quoique, vous savez quoi? Ça pourrait le faire. Ouais, sauf qu'en fait, ils sont tous un petit peu en étoile, évidemment. Oh non, je peux rien faire. Je suis mort. Et voilà. J'y ai cru, mais... Non. Huitième. Pas de bol. Donc l'épopée du 31, ouais, au départ je voulais mettre un petit indice. Bon, finalement, vu que le bloc sur le site, le bloc annonce pour indiquer les indices, la nouvelle vidéo n'est pas complètement terminée, il y a encore du boulot à faire. Hein. Le Marsalou l'a amélioré. Donc vous savez, le bloc indice est en haut à droite, là où il y a le Lakitu. Donc le personnage, hein, le Lakitu justement repris de Mario Kart sur son petit nuage avec son feu rouge qui indique quand les prochaines vidéos vont arriver. Moi j'aimerais bien que ça soit encore amélioré. Hein. À la base ce que je voulais c'est qu'en fait le... D'abord il va falloir que
Monsieur Le Martialou revoit entièrement la skin, pas du Lakitu, mais la skin du feu rouge, feu orange, feu vert. J'ai un truc qui soit quand même mieux fait que ça, et surtout avec, dire que qu'on ait des feux vraiment bien faits en fait, voilà, qu'il y ait du vrai boulot derrière. Là, il y a du boulot, mais je sais pas, ça me plaît pas trop, voilà. Et ça sera vraiment pas mal, il y aura des feux clignotants, par exemple si l'upload foire, on aura le feu orange clignotant, et puis on va dire genre une dizaine d'heures avant que la vidéo arrive, donc pendant l'upload, le feu vert clignotera, et puis plus la vidéo se rapproche d'arriver, plus le feu vert clignotera rapidement, et au final quand la vidéo sera là, oh ah putain. Quand la vidéo sera là, ben le feu vert sera, ne clignotera plus, il sera complètement actif. Enfin bref, voilà, pas mal d'idées dans ce sens-là, c'est pour ça que le bloc du Lakitu va être amélioré. Et il faut également qu'il puisse indiquer les vidéos indices. Attends, j'ai t'avoir, putain, j'ai pas réussi. Il faut également... Ah, mais c'est pas vrai, il m'a piqué mon putain d'iter. Mais je fais n'importe quoi. Mais je fonce dans le tuyau, quoi. Sérieux, on dirait un handicapé. Ah non, non, mais... proprement sidérant. Là, celui-là, là, voilà. Ça, ça a enfin bien joué. C'est fou, quoi. Voilà. Non, pas la Bilbo. C'est un truc de ouf. J'utilise un éclair, je suis dernier. Je vais... Même quand l'éclair aura fini son effet, regardez-moi ça, je vais rester dernier. Et allez. J'ai pété un câble en 8, mais ça va être sévère. Ça va être sévère, les mecs, comment j'ai pété un câble avant la fin. Je peux vous garantir, c'est un truc de fou. Putain, j'ai jamais vu une session aussi pourrie de Mario Kart. Je commence même à me demander si je mettrai cette vidéo, honnêtement. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut jouer plus mal que moi? Je me le demande. Allez, on défonce tout. Mais non, allez, mais putain! C'est pas possible, une malchance pareille! C'est incroyable! Incroyable! Je vous jure! Putain, j'ai encore cet item. Non, c'est trop fort, putain. Oh putain, vivement que ça se termine. Ah, je vous assure, là on se retrouve dans 3 quarts d'heure. Je vais vraiment me concentrer à fond pour redorer mon putain de blason. Parce que là, ce qu'on vient de voir depuis 28 minutes, c'est scandaleux. C'est honteux. Ah non, mais... Y a rien à dire. Rien à dire. Et donc je finis ce que j'étais en train de vous parler, ce dont j'étais en train de vous causer. C'est-à-dire, oui, donc les vidéos indices, voilà, on cherche un moyen d'inclure l'information si une vidéo a une vidéo indice, d'inclure également, bon, j'ai voté pour la route arc-en-ciel, ça sera toujours ça de prix, la Rainbow Road. Ah bah t'es, on est 10 encore, je crois qu'il y en a encore un qui a déco finalement. Comme tout à l'heure. Oui, et donc voilà, un moyen d'inclure l'information quand une vidéo indice va arriver directement sur le bloc annonce du Lakitu. Voilà, donc on a quelques petites idées, on y réfléchit. Moi j'avais pensé à mettre le Lakitu un petit peu plus haut et à mettre sous le nuage un petit bloc, enfin un petit panneau en bois qui indique en fait la vidéo indice, la date de la vidéo indice, tout ça, et puis quand on clique dessus, on y accède directement, ce genre de choses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on... Ah bah nickel, putain, c'est la route arc-en-ciel. Attendez, je me concentre là, je me concentre. Je disais donc tout ça pour vous dire qu'on réfléchit... Putain, ils ont piqué tous mes items, cette bande d'enfoirés. Tout ça pour dire qu'on réfléchit à l'élaboration de pouvoir mieux montrer que ça, l'arrivée... Merci beaucoup de pouvoir mieux montrer de ça l'arrivée des prochaines vidéos, mais également des vidéos indices. Voilà. Et je suis donc parti là-dessus parce que oui, parce que j'étais en train donc de vous parler de l'épopée. Au départ, je vais donc faire une indice, mais vu que le bloc n'est pas terminé, vous n'aurez pas de vidéo indice, c'est pas grave. De toute façon, vous savez que c'est un Castlevania, bien sûr. Vu que maintenant c'est la tradition du Hooper, ça sera la tradition du nouvel an hein, chez le Hooper, c'est comme ça. On avait commencé en 2009 avec Castlevania 4, suivi en 2010 avec Dracula X. Et bien en cette fin d'année 2011, ce sera un autre Castlevania, je ne vous dis pas lequel. Ce sera pour vous la surprise, vous pouvez toujours essayer de deviner hein.
Même si sans indice, vous n'avez aucun moyen. Donc attendez, je réfléchis à vous donner un indice. Putain, juste au moment où j'allais envoyer ma rouge. Un indice, voyons. Un indice pour la prochaine épopée. Oh putain. Attends, je vais t'envoyer. Non, complètement raté. Je voulais envoyer ma bombe sur Monsieur Romu. Oh, Jojo City. Oh, Jojo City, on se connaît tous les deux. Oh oui, on se connaît. On en a vécu des trucs ensemble avec Monsieur Jojo. Ah oui, on se connaît. On se connaît tellement bien que je vais te faire un cadeau. Une carapace rouge. Alors oui, tu... Non. Attends, il est pas loin. Je suis sûr qu'il est pas loin là. Non, il doit pas être loin, cette espèce d'enfoiros. Mais où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai perdu, tant pis. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que je disais? Non. J'ai Wormy devant moi et j'ai Valkaiser derrière. Donc je sais pas où il est passé, tant pis. Attendez, je suis 6ème. Ça pourrait peut-être me permettre de finir sur une petite victoire, vous savez quoi. Ouais. Il faudrait de la chance et un bon item. Un bon item. Ouais, génial. Le pire item, merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? J'étais parti sur quoi? Ah oui, l'indice. Attendez, un indice. Un indice pour ce Castlevania. Ah putain, j'ai posé la bombe juste en même temps. C'est pas vrai! Ouais, un indice. Attendez, il faut que je réfléchisse là, un indice. Non, je sais pas. Donc, vous savez quoi? Je vais réfléchir là, à la fin de ce Grand Prix. Et puis, je vous donnerai l'indice tout à l'heure. Hein. Voilà, quand on commencera les deux autres Grands Prix. Voilà, c'est le mieux. Allez. Ah, je suis toujours 6ème. C'est quand même bizarre parce que je fais le Krakoukas depuis tout à l'heure et les autres ils me ouah, ils me doublent pas, donc je sais pas ce qui se passe là, on est toujours 10 là ou quoi? C'est bon. C'est un petit... Ah mais... Ah, je... Non, ouah. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Non, ils sont là, mais ils sont loin. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais, c'est le dernier tour, bizarre. Pas compris là. Je crois que c'est fini. Il me semble que c'était la quatrième course. Hein. Ouais, c'était la quatrième course. Et je vais donc finir. Oh là 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 là, je vais encore finir dernier, non? Avant, non. Huitième. Putain, huitième. Et tout à l'heure, j'ai fini combien déjà? Je crois que c'est la fin, non? Attendez, on va vérifier. Ouais, c'est fini. Ouais. Je finis huitième. Je crois que tout à l'heure, j'ai fini septième. Enfin, je suis pas sûr. Hein. C'était peut-être huitième aussi. Enfin bref, donc voilà, c'est fini donc pour cette première session de Grand Prix. Ben nous, donc on se retrouve dans 5 secondes et pour la suite. Et moi, je vais faire une petite pause, je vais faire un petit café, je vais réfléchir à l'indice. Et puis, on parlera de quelques autres trucs hein, que j'ai prévu de vous parler également. Allez, à de suite, en espérant que ça sera moins catastrophique que cette première manche. Ok, on se retrouve. Deuxième session. Avec donc des membres bien différents cette fois-ci, en laissant manuel. Bon, là, je vais essayer de mieux jouer, hein, parce que là, ça a été un fiasco monumental, un échec retentissant. J'ai un seul objectif, un seul et unique objectif dans cette seconde partie donc de ce défi pour vous. C'est vraiment... de bien jouer, c'est de me concentrer et c'est de faire une meilleure prestation que ce qu'on a vu jusque là, parce que c'est pas possible de rester sur ça. C'est vraiment honteux ce qui s'est passé, voilà. Mais je considère quand même que j'ai eu pas mal de malchance. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais honnêtement, ça me fait halluciner ce qui s'est passé. Peut-être que je me gourre, peut-être que je me fais des idées, je sais pas, mais ça me fait juste halluciner. Bon, j'ai réfléchi... Se veuillez patienter, comment ça me fait un petit peu peur là. Donc j'ai réfléchi à l'indice là pour le Castlevania du 31. Bon, j'ai pas trouvé hein, parce que vous donner l'indice, ça serait vous donner le jeu, donc je ne vais pas vous donner d'indice. Ça, ce sera un Castlevania, ça c'est sûr. Attendez, je crois bien qu'attendez, parce que là c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire. Ah putain, à mon avis, ils vont commencer sans moi. Ce qui veut dire, je sais pas, attendez. Voyons. Non, ça marche pas, c'est clair. Je suis toujours sur le veuillez patienter. Alors, attends. Je vais aller voir sur le forum. Voyons. Est-ce qu'il y en a qui ont un problème? On va ici.
C'est mort, c'est clair. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire. En plus, je peux rien faire, hein. Non, mais la Wii. Je vais encore faire un petit troll sur la Wii, hein. Eh, j'appuie sur tous les boutons. J'appuie sur Start. Tu ne peux rien faire, t'es coincé. T'es coincé sur cet écran, t'es obligé de reboot la console. Peut-être qu'avec la Wiimote, je peux faire quelque chose. C'est énorme, quoi. C'est énorme. La Wii. La Wii. Vous connaissez la console préhistorique? La Wii. Mesdames et messieurs, je vous présente la Wii. La console qui a 10 ans de retard. Alors, peut-être là, non. Peut-être. Regardez, je peux même pas aller sur Home. Regardez, quand j'appuie sur le bouton Home de la Wiimote, regardez ce que ça met. Non, non, mais, eh, je déconne pas. C'est phénoménal. Allez, donc je coupe, je vais voir le problème. Je reboot tout ça et je vous dis à de suite. Ok, apparemment cette fois-ci, c'est la bonne. En fait, tout le monde avait eu le même problème, hein, le même bug, veuillez patienter. C'est incroyable, c'est la Wii. C'est la Wii, moi je ne comprends pas les défenseurs de cette console, les défenseurs de ce que Nintendo ont fait, quoi. Bon, rendez-vous quand même compte que Nintendo n'ont jamais modifié, amélioré, fait évoluer leur plateforme online. La plateforme communautaire de la Wii. C'est resté en l'état depuis la sortie de la Wii, depuis 6 ans, depuis 7 ans quasiment. Non mais c'est tellement énorme en fait qu'on n'en parle jamais, quoi. Je veux dire, Sony ou Microsoft, ils l'ont modifié, ils l'ont fait évoluer. Nintendo non, ils s'en branlent. Non seulement c'est la plus pourrie de toutes, mais en plus, encore cette course, mais c'est hallucinant. Non, non, je vais rien dire. Non seulement ils l'ont pas modifié, mais en plus c'est la pire de toutes. C'est incroyable, incroyable. D'ailleurs, il me semble bien, j'avais lu ça, que pour la Wii U, ils ont demandé en fait un partenaire, je sais plus qui c'est, de leur faire une plateforme online, une plateforme communautaire, parce que eux, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est énorme, c'est phénoménal. Ça me fait un petit peu penser au prochain Zelda, là, il y a eu une annonce. Oh non, pas sa vie. Oh putain, mais touchez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Wow, enfoiré de Veil. Ouais, Nintendo a fait une annonce récemment. Enfin, c'est pas vraiment une annonce. Il y a une espèce de rumeur comme quoi il donnerait à Retro Studio la réalisation du Zelda de la Wii U. Eh ouais, tout à fait. Ce ne serait pas Nintendo en fait qui ferait le Zelda, mais ce serait Retro Studio. Donc, Retro Studio, c'est les Metroid Prime, c'est Donkey Kong Country Return. Donc, c'est du bon, attention, hein. Retro Studio, mais quand même, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Le fait que Nintendo n'arrive même plus à faire leur propre licence. Vous voyez? Je sais pas, c'est dingue. En même temps, il l'avait déjà fait pour Zelda avec Minish Cap, hein, qui avait été développé par Capcom, si je me trompe pas. Non! Je l'ai vu, cette saleté de Bilbol. Tiens, prends ça! Foiré de Bart! Oh! Je crois qu'il a aimé ça. Oh, à mon avis, il a aimé ça, le petit Bartounié. Oh putain, attendez. Mevius, c'est bye bye. Yoon, tu vas y rester. Oh putain, une étoile. Non, c'est bon. Non, putain, Reginhardt. C'était bon là. C'est bon. Monsieur Balthazar m'a raté. Oh Balthazar, lui c'est un connu du forum, lui. Ah oui. Oh putain, attendez. Je vais refaire la même que tout à l'heure. Je vais le refaire la même. Et où je vais là? Où je vais? Mais non. Putain, non. Non. Oh, quelle malchance. Ah, j'ai pas de bol. Je sais pas. Non, pas la billball, s'il vous plaît. Ah, je suis mort. C'est fini. Allez, je vais peut-être le doubler. Non, 8e. J'ai pas eu de bol. Ah, putain, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. J'ai pas compris. Pourtant, j'ai fait la même technique que tout à l'heure. J'aurais dû réussir à couper à travers champ, là. En passant dans l'herbe. Mais je suis parti complètement à gauche. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Là, j'aurais pu finir 3e ou 4e, c'est évident. C'est dommage. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est 12. Donc ça, ça fait plaisir. De quoi je vous parlais, du coup? J'ai complètement oublié. De quoi je parlais? De la Wii? Ah oui, oui, non, voilà, que Nintendo, maintenant, il donne à faire, en fait, à des sous-traitants leur jeu, quoi. Je trouve ça énorme. Je sais pas. Alors, ok, encore une fois, c'est Retro Studio, donc c'est pas grave. D'ailleurs, à mon avis, Retro Studio feront très certainement un meilleur boulot que Nintendo eux-mêmes. C'est pour ça que c'est pas dramatique. Mais quand même, quoi, ça en dit long un petit peu sur l'état de Nintendo, quoi. Je veux dire,
Voilà, tu joues à Mario 3D Land, tu vois qu'il n'y a aucune innovation. Mario Kart 7, pareil, tu vois que c'est que de la redite. Tu vois que Nintendo, ils n'arrivent plus à faire évoluer leur jeu. Qu'en plus de ça, maintenant, c'est pas eux qui vont développer la plateforme online de la Wii U. C'est peut-être pas eux qui vont faire le Zelda de la Wii U. Ça fait peur, on est quand même en droit de se poser des questions, ça fait un petit peu peur. Le Nintendo d'antan, il fait un petit peu, il fout les jetons. Maintenant, concentration, voilà. Si seulement je trouvais le moyen de refaire un super démarrage, chose que je n'arrive pas à faire, et peut-être que j'arriverai mieux, et aussi prendre des items, voilà. Je suis dernier, mais c'est pas grave, être dernier au dernier tour, on s'en fout un petit peu, parce que ça permet d'avoir des étoiles. Et ça permet de dégommer Monsieur Vile, ça permet de dégommer Monsieur Vaan, ça permet de dégommer Monsieur Mevius. Non, parce qu'il est trop rapide pour moi. Non, trop rapide, Monsieur Mevius. Oh putain, la Bilbo. Ce qu'il y a de bien avec la Bilbo, c'est qu'au moins elle suit toujours une trajectoire fixe, hein, c'est-à-dire au milieu de la course. On ne peut pas la modifier. Donc même s'ils cherchent à me viser, eh bien ils ne peuvent pas. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, oh putain, si je reste là, ça devrait le faire. Il devrait pas pouvoir. Ça devrait aller, ouais, pas mal. Ok, on reste comme ça. Surtout, on reste calme. Non, pas le pot, putain, mais non, 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 je déteste ce truc, nom de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je m'y ferai jamais. Hein. Le pow de Super Mario Bros 2, je m'y ferai jamais. Allez, faut surtout que je joue mieux, que je fasse des dérapages. Non, pas ça. J'espère qu'il n'y a pas. Non, putain, mais regardez-moi ça. Ricochet de la carapace verte. Et voilà, voilà. Ah, putain, génial, voilà. Voilà, ça y est, je suis mort, quoi, je suis mort. Ricochet, carapace verte, étoile dans la tête, éclair, comment veux-tu? En plus, dans la Luigi, eh mais on a que des courses de merde, c'est incroyable. Sérieux, on a que des courses de merde. C'est... Ah putain, j'ai ça juste à la fin, voilà, ça n'aura servi à rien. À rien. À rien. J'ai pas pu grappiller une seule place avec cette item de la mort parce que je l'ai eu trop tard. Je vais vous dire un truc, cet épisode de Mario Kart est frustrant. Il est très frustrant. J'espère vraiment que l'épisode de la Wii U reviendra un petit peu plus dans les bases, que ça sera moins axé sur les items, moins axé sur le bourrinage, que ça demandera plus de skills, plus de connaître les tracés peut-être, enfin... plus de technique, quoi, qu'on revienne au Mario Kart d'antan, parce que vraiment, ça commence vraiment à me... ça commence à me barber sérieusement, je déconne pas. Alors, on va peut-être voter pour un circuit. Pourquoi on pourrait voter? Pas la Rainbow Road, est-ce qu'il y a une course que je connais bien là-dedans? Ah, la jungle des cas, je l'aime bien, ouais, elle est pas mal. T'es le royaume sorbet, celui-là on le fait rarement, t'es, je vais faire ça. Le royaume sorbet de la Nintendo 64, on le fait rarement celui-là. Moi je l'aimais bien cette course, bon c'est vrai qu'elle est un petit peu monotone, mais je l'aimais bien celle-là. Il y a, je sais pas, je crois qu'il y avait une bonne musique, je sais plus où, et puis le coup des pingouins là, bon c'était très épuré sur la version Nintendo 64, hein. C'était pas très beau on va dire. Mais bon, en même temps, le jeu en lui-même n'est pas très joli. Hein. Quand tu vois que Rare a réussi à faire un certain Diddy Kong Racing, qui est juste deux fois plus beau, hein, deux fois plus beau, je déconne pas, que le Mario Kart de Nintendo, mais là aussi, t'es un petit peu en droit de te poser des questions, quoi. Tu vois que Rare, il maîtrisait mieux, en fait, la console. Oh, culé de... Mais putain, il a voulu m'éjecter! Putain, c'est des enfoiros, mais franchement, mais ils sont vraiment pas sympas. Hein. Voilà. Ils sont vraiment pas sympas. Concentration. Concentration avec Monsieur Balthazar qui est devant nous. Non, pourquoi tu viens là? Putain, mais tu vas pas me piquer mes cadeaux. Foiré. Un bon item, s'il vous plaît. Oh, bon, oh, dégueulasse. Putain, je suis sixième. Il me fait un item de merde. Concentration. Je connais cette course. Eh. Je peux faire une prestation correcte. Oh là là, j'ai au moins 3 ou 4 derrière moi. Au moins 3 ou 4 derrière moi. Toi. Monsieur Tiflorg, tu es mort. Ah, Tiflorg, je le connais lui aussi, c'est un habitué du forum. Vous voyez, je vous connais sur le forum, faut pas croire. Hein. Attendez, moi j'y passe quand même pas mal de temps sur ce putain de forum. Hein. Balthazar, je te connais. Il a pas la langue dans sa poche, celui-là. Il y en a qui s'en plaignent. Non, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les gens qui ont de la personnalité. Après, il faut faire ça dans le respect de chacun. Il y en a qui oublient ça un petit peu. Alors là, les modérateurs sont obligés de resserrer un petit peu les boulons. Oh, je suis pas mal, là. Petit Florg, t'es out, laisse ton... Quoi, je l'ai pas eu? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais petit Florg, est-ce que je vais t'avoir avec ma rouge? Ça y est, enfin. 10 minutes après, ma rouge l'a eu. Oh, putain, je suis dead, là.
Ah et ouais, j'ai pas de bol. Et... Quoi? Non! C'est quoi cette malchance? Oh, alors là, est phénoménal, eh. Alors là, moi je regarderai ça dans le montage, je crois que c'est du jamais vu. J'ai eu un bug. Je suis mal retombé, je suis reparti au milieu de la course, en sens inverse, je suis dixième, la course est finie pour moi. C'est énorme. Je crois que j'avais jamais eu ce bug. C'est énorme. En fait, je suis mal retombé sur le châssis, vous avez vu, hein. Et du coup, ça m'a remis... Voilà, je suis deg. J'étais bien parti, j'avais une bonne place. Putain, Oh, ça l'aurait fait, et voilà. Pas de bol. Et voilà, un éclair. Non, j'ai pas eu de bol. Là, honnêtement, je... Ah non. Là, vraiment, je veux pas être mauvais joueur, j'ai vraiment pas eu de chance. Je suis deg. Là, je suis deg. C'est avec des coups comme ça, quoi, qui te... Et celui-là, il est pas beau. Est-ce qu'il est pas beau, celui-là? Est-ce qu'il est pas beau? Putain, mais le Guinness des records, les mecs. Le Guinness Book des records, celui-là. Phénoménal, une fois de plus. Ça arrive hyper rarement. On était tous les deux en l'air, on fait la figure. Et parce qu'il est un petit peu plus haut que moi, je me percute à lui. Non, mais c'est phénoménal. Je me percute sous lui. Et il me fait tomber dans le ravin. Non mais, attends. Je crois que God n'est pas avec moi ce soir. Non là, je suis sidéré par ce qui vient de se passer. Voilà, une double malchance. Incroyable, tout simplement incroyable. Bon, donc j'avais également, oui, donc envie d'un petit peu de vous parler des tournois. Non, là par contre c'est moi, je joue super mal en plus. Voilà, donc des tournois sur le forum. On va essayer de faire ça correctement, ouais. Donc le nouveau forum là qu'on a mis, un tournoi est parti online. Le but c'est pas que n'importe qui vienne et fasse un topic parce que il a envie de se faire une partie de Call of Duty un soir. Non c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que sinon ça va être le gros bordel, ça ne va servir à rien. Il va y avoir 50 topics différents en une semaine. On ne s'y retrouvera plus, ça n'aura aucun intérêt. Donc ça il faut pas. Je pense qu'on va supprimer les messages comme ça, les topics comme cela. Non. Ce qu'il y aura, c'est déjà évidemment les tournois ou les parties officielles, donc créées par un modérateur ou par moi-même. C'est logique, et ça sera mis en sticky. Ça sera étiqueté en haut. Et ensuite, il n'y aura pas que ça. Moi, j'ai envie que les membres participent, mais il faut que ce soit un membre sérieux, il faut que ce soit un membre motivé. Et j'ai envie de dire, il faut que ce soit un membre ben, pas tout récent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous connaisse un petit peu. Si vous venez juste de vous créer votre compte parce que vous voulez vous faire une petite partie comme ça et que donc c'est votre premier message et tout, moi je vous dis, ça passera pas. Et votre topic, votre demande de partie, je vais la supprimer. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On est une communauté. C'est pas comme ça que ça se passe ici. C'est ce que je veux dire. Donc faut être motivé, sérieux et tout. J'ai envie de dire, même avant de créer votre message, peut-être avertissez un modérateur et demandez-lui si vous pouvez faire ça sur tel jeu. Comment le faire? Parce que vous devez faire un truc structuré. Et encore une fois, c'est quelque chose de sérieux. Faut être motivé. Voilà, ça se fait pas à la va-vite en une ligne. Yo, salut, wesh, tu vas bien? J'ai envie de faire une partie de Battlefield. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Ensuite, ah nickel, les bois vermeils. J'aime bien cette course. Je pense que c'est l'une des courses de Mario Kart les plus jolies. Elle est vraiment belle. Oh, la chenille. Elle est vraiment, vraiment jolie, celle-là. Oui, donc ce qu'on fera, on mettra un topic que je sais pas encore qui va se... qui va le modérer, enfin qui va le... Comment dire... va organiser... Non, pas la billboard, putain, là par... Non, c'est... Oh, putain, je savais pas que la billboard, là, elle passait en hauteur. Nickel. On va par là. Hop, là, un petit saut en hauteur. Ouais, en ce qui concerne Mario Kart Wii, vu que c'est un jeu qui est très populaire, qui est plus populaire, en fait, que les autres, et que tous les gens qui ont la Wii, et Dieu sait qu'il y en a, malheureusement, possèdent, bien sûr, Mario Kart, on fera un topic spécialement, en fait, dédié pour Mario Kart. Et je pense que c'est un membre qui s'en occupera, parce qu'il y avait deux membres là qui voulaient déjà s'en occuper. Donc je sais pas encore qui, il y avait Purple Penguin qui voulait s'en occuper, il y avait... comment il s'appelle déjà... Tivamine je crois, ou Tiramine, ou Tivamen, je sais pas comment on prononce exactement. Donc voilà, je pense, ou voir peut-être Lolo87, peut-être s'il veut continuer à s'en occuper, à faire d'autres prochaines
partie, parce que c'est lui qui organise celle-là et que ça se passe plutôt correctement, je dois l'avouer. Donc ce que je veux dire, c'est que... Oh, nickel! Oh, j'ai eu du bol, là! C'est que même si vous n'êtes pas modérateur, vous pouvez créer une partie. Mais il faut que ça soit sérieux, demander l'avis... Voilà, ça c'est pas mal, ça. Oh, je suis premier. Demander la... Non, je suis premier, je me prends une... Mais c'est phénoménal, putain! C'est juste phénoménal, quoi! Juste au moment où je suis premier, qu'est-ce que c'est qui arrive? Une carapace bleue! C'est tellement... C'est tellement grandiose, en fait, que j'en reviens pas, vous savez quoi? C'est ça. Putain, c'est juste phénoménal. Ah non, non, mais... Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être modérateur pour créer une partie, mais il faut que ça soit bien fait, il faut que ça... Mais putain! Ok, d'accord. Ah, ouais. It's a new record! Guinness Book, les mecs! Un petit Guinness Book pour le Hooper. Ça fait plaisir. Ouais, donc vous n'êtes pas obligé d'être modérateur, mais il faut que ça soit bien fait. Demandez conseil, justement, au modérateur. Oh, il était beau, celui-là. Il était beau. J'ai pas retenu le nom du mec qui m'a défoncé le cul avec la billball, mais c'était beau. Ah ouais, putain. Il était pas mal, celui-là. Ah, putain, une étoile juste à la fin. Ça va pas me servir à grand-chose. Bart était derrière moi, lui aussi en étoile. Mais tu vois, Bart, même avec une étoile, on n'y arrive pas. Ah, Koopak premier. Ah, et en fait, il est... Ah, Koopak serait donc un bon à Mario Kart, oui. Faut faire gaffe. Voyez un petit peu le classement général. Ah, Koopak, Odin, Valkyros, 60... Non, en fait, il n'y a que Koopak et Odin en first. Les autres, ils sont un petit peu en dessous, quand même. Ah, mais je suis dernier, c'est magnifique. Ah oui, c'est ça, je suis dernier. Ah oui, dommage, oui. Ah oui, dommage, on peut le dire. Je suis dernier. Je crois qu'il y a sérieusement des questions à se poser maintenant. Je suis dernier. Ouais. Donc, pour en revenir au tournoi, je préfère ne pas commenter ce qui vient de se passer. Pour en revenir au tournoi... Par contre, on est combien, là? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est que 10, là? Ah non, ça y est, il y a un 11e qui arrive. Apparemment, il y en avait un ou deux qui avaient été déco encore, une fois de plus. Bah, faut dire qu'avec ce magnifique système là de... Non, non. J'allais encore critiquer là, oui, mais tout est tellement énorme entre les codes amis, entre tout. Tout me fait halluciner, tout me fait halluciner dans cette console. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on fera le bilan de la Wii, bien sûr, il y a des bons jeux. Il y a des bons jeux. Je le nie pas. Il y a des bons jeux sur cette console. Mais tous les à côté. Tous les à côté. C'est tellement gros. Putain. Ça ferait un sketch. Tu peux en faire un sketch. Sérieux. Mais un vrai sketch ultra humoristique. Juste avec la Wii. Avec la Wii, tu te fais un sketch de ouf. Mais de ouf. Un truc de ouf. C'est tellement monumental. Voilà. Vraiment, je vous assure. Bon alors, mais qu'est-ce qu'ils font là? Allez, go! Pourquoi on n'y va pas, nom de Dieu? Alors, on va leur dire... C'est parti! C'est parti! C'est parti! Allez, go! Ah, ça y est, voilà, il y a le dernier. On attendait le dernier qui n'était pas encore... Qui était pas encore là. C'est bizarre, il y en a un qui a un avatar avec un point d'interrogation. Je crois que c'est Tiflorg, non? Ouais. Je sais pas trop ce que ça signifie, ça, tiens. Bon. Je savais même pas qu'on pouvait mettre un point d'interrogation. Ah, mais non, non, en fait, c'est pas un point d'interrogation. Ah, non, en fait, c'est ses sourcils. C'est ça, c'est parce qu'il a mis ses sourcils en V. Ça, en fait, ça fait un point d'interrogation, ça doit être ça. Vite, donc on reprend... Diddy Kong, vite, le carrosse royal, il est où? Il est ici. Je sais très bien que ce personnage et que ce kart ne sont pas les meilleurs, mais je sais pas, je me suis toujours servi de cela, donc bon, c'est une vieille habitude, hein. Les habitudes, c'est pas bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Le Hooper se fait vieux, c'est ainsi. Et donc, pour terminer mon explication des tournois, oui, donc pour le moment, ça se passe uniquement sur le forum, et dans le futur... J'espère qu'on pourra faire une véritable rubrique pour les tournois, pour les parties online, avec la communauté, avec les membres et tout, aléatoire. Voilà, histoire de faire quelque chose d'un petit peu mieux que simplement sur le forum, vous voyez.
Voilà, mais encore une fois, ça sera dans le futur parce qu'il y a beaucoup d'autres priorités avant ça. Donc pour le moment, on se sert du forum. La section de tournoi est partie online. Et donc, ce que je disais, c'était sur Mario Kart Wii. On fera donc un topic spécifique sur Mario Kart Wii et on essayera de faire des sessions toutes les semaines ou tous les 15 jours. Non, toutes les semaines. Et parfois, quand j'aurai le temps, j'y participerai. Pas à chaque fois, bien entendu, mais quelquefois. Voilà comment ça va se passer. Et si on veut faire ça pour quelques autres jeux, on le fera. Mais il faut que ce soit évidemment des jeux qui soient très demandés par la communauté, pas n'importe quel jeu. Donc on verra. Et encore une fois, il faut que ce soit fait sérieusement et tout et tout. Donc c'est pas monsieur n'importe qui, monsieur tout le monde. Ah, je déteste cette course. C'est pas monsieur tout le monde qui peut mettre des topics de partie dans cette section. Voilà ce que je voulais préciser. Allez, concentration. Ah, le pauvre. Allez, on va balancer ça. Le pauvre. J'aime vraiment pas cette course. Hein. Bien sûr, elle est reprise. Enfin, elle est reprise. Elle a la même thématique que la course de l'autoroute dans la version Nintendo 64. Je ne pouvais rien faire. Obligé de me faire avoir. Dans la version Nintendo 64. Que déjà, je n'aimais pas du tout. Elle est super monotone. T'as quasiment aucun virage. Tu restes au milieu de. Ouf, tu restes au milieu du tracé. Histoire de ne pas prendre, bien sûr, les bagnoles qui arrivent. Et c'est tout. C'est une course vraiment. Nintendo sont complètement plantés, je trouve, là-dedans. Et en plus, je trouve que ça ne respecte pas l'univers Mario Kart. Enfin, je sais pas ce que ça fout là-dedans, quoi. Voir comme ça des voitures, moi, ça me fait très bizarre. Enfin, ça me fait penser au. Au Sonic en fait, au Sonic récent où c'est pareil, on pourrait voir des humains comme ça, alors que non, c'est pas vrai qu'on est dans Mario Kart. Ah, attendez, je vais essayer de toucher Réginard. Réginard, t'es où? Réginard, 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 Réginard. Voilà, c'est ce qui s'appelle l'arroseur arrosé. Non seulement monsieur Réginard m'a eu, mais en plus, c'est logique en même temps, hein. Il avait trois carapaces vertes qui lui tournaient autour. Moi, comme une espèce de demeuré, je lui fonce dessus. Ah, enfin. Et ensuite, évidemment, j'ai gardé mon nuage, du coup. Attendez, je suis quatrième. Grâce à... Oh, putain, ils sont tous là. Je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer. Je pense qu'il y a moyen de faire... Oh, non, putain, mais... Ça, c'est... Putain, à cause de ça. Je vous disais... Allez, viens. Il va y avoir moyen. Je vais laisser ça derrière moi. Toi, t'es dead. Allez, touche-le, putain, le truc, ça met 10 ans pour les toucher aussi. Là-bas, il faut que je l'avance lui. Ouais, je l'ai eu. Ah, putain, il faut que je tire dès que je l'ai. Oh, comment je finis encore? Cinquième, sixième, non? Un truc dans le genre. C'est dur quand même. C'est... Et puis vous savez quoi, je trouve que ce jeu a quand même un petit peu vieilli maintenant. C'est, je sais pas, c'est... Sur à peu près tout, quoi. Même sur la conduite. Ah, quatrième quand même, hein, attendez. C'était la première course. Ouh, y'a moyen. Y'a moyen de pas se faire ridiculiser, les mecs, dans ce Grand Prix. Je pense qu'il y a moyen. Donc on va essayer de se concentrer. On va vraiment essayer de se concentrer. Est-ce qu'il y avait un autre point que je voulais aborder? Non, je crois pas. Hein. Non, pas vraiment. Non. Là, j'ai regardé un petit peu les commentaires de la dernière vidéo, donc la review de Super Mario 3D Land. Et il y a quelques critiques, hein, mais j'aime bien, vous savez, on pourrait croire que oh, les critiques, c'est pas bien. Ça dépend, j'ai déjà expliqué, ça dépend. Et là, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des critiques vraiment constructives, vraiment élaborées, vraiment intéressantes, qui apportent de l'eau au moulin. Et c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que dans ma vidéo, ils avaient raison, en fait. Sur plusieurs points, ils avaient raison. Mais de l'autre côté, dans une vidéo comme ça, je suis tellement animé, quoi, par la passion, si on peut dire. C'est un petit peu ça. Je suis tellement, je sais pas, j'ai tellement d'entrain que des fois, je dépasse un petit peu les bornes. Des fois, je vais un petit peu trop loin. Par exemple, dans cette vidéo, quand je dis... Que le jeu est super facile, que même la deuxième quête, enfin le New Game Plus est super facile, qu'il n'y a aucun challenge et tout. C'est pas complètement vrai en fait. Bon, c'est quand même plus difficile, ça c'est pas... Vous voyez, je suis tellement en fait, je m'emballe tellement, quoi, qu'au final, le médire dépasse un petit peu ma pensée. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile, mais quand même ça reste, on va dire, ça passe vraiment au niveau normal en fait, voilà.
peut pas vraiment dire qu'on est au niveau easy. Sauf pour quelques niveaux, tout de même, quelques niveaux. Mais globalement, ça va, la difficulté devient correcte, vous voyez. Putain, c'est pas possible là aussi, mais qu'est-ce que... Alors, regardez-moi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire, quoi? Rien du tout, quoi, rien du tout, là. C'est dingue, ça. Ça, c'est un circuit, je crois que ça vient de la version GBA, je crois. Il me semble. Ou de la version DS. Putain. Eh, lui, il aurait pas fait de faire... Il n'aurait pas fait exprès de faire ça juste devant moi, que ça m'étonnerait pas. Hein. Je crois que c'est un circuit de la Game Boy Advance. Je crois. Oh putain, je vais vous écraser. Mevius, t'es mort. Gwyndor, t'es mort. Bart, oh, bien joué. Ah, tu t'es esquivé, hein. Ah, il a fait le petit malinois. Ah, il a fait le petit chameau. Oh, et maintenant, tu fais le chameau maintenant. Oh putain, je vais tous les... Oh putain, monsieur Yuan, t'es mort. Balthazar, si j'arrive à te... Oh putain, il est tombé. Il est tombé comme un gros marsupilami dans la lave. Attendez, je suis pas mal là. Oh nickel, en plus j'ai vu... J'ai vu une magnifique carapace violette. Qui a dû aller nickel premier, je vais balarder maintenant. Non. Ouf. Oh la vache. Oh le Balthazar, comment il a failli essayer de me niquer. Comment il a failli niquer en 8. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là je suis pas mal là. Une bombe. Une bombe dans la tête. Non, raté. Quoique... attendez, j'en ai eu un là. Non, je crois pas. Non, non, je crois pas que j'en ai eu un avec ma bombe. Il me semble pas. Il faut que j'ai un item. Oui, ça c'est pas mal. Allez, concentration. Concentration. Non, j'ai le pire item. J'ai pas eu de bol, regardez. J'ai eu le poulpe, quoi. J'ai eu la pieuvre pour l'encre. Attendez, dernière course, je me concentre. Je me concentre vraiment là. Ah, le pauvre, ça c'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand je l'ai, c'est pas mal. Et quand Tom le fait, c'est pas bien. Non, culé. Non, cette malchance. Phénoménal, une fois de plus. 9ème, je suis mort. Oh, la malchance. Oh, sérieux, la malchance. Ah non, là, j'ai vraiment pas eu de bol, vous avez vu. Ah, incroyable, incroyable. J'ai dépassé la rambarde, quoi. Incroyable. Incroyable. Je vais peut-être réussir à sauver l'immeuble avec ça, mais... Il faudrait du... Ah, merde, et non, je suis mort, je finis en 8ème. Ah, j'ai pas eu de bol, putain de merde, j'étais bon, là. J'aurais pu y arriver. Ouais, non, ça va pas le faire. Quoique, eh non, putain de... Merde, et merde, et merde. Ah, non, de Dieu, j'étais bon, là. J'avais ma chance. J'ai raté ma chance. Mais j'ai pas eu de bol. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Je crois que c'était Balthazar. J'ai pas compris. J'ai fait mon... j'ai fait ma figure dans les airs. Je crois qu'il m'a touché. On a dû se s'entrechoquer tous les deux. Et donc ça m'a décalé un petit peu vers la droite. J'étais sur le rebord et du coup je pouvais plus rien faire. Je suis tombé dans la lave. Putain, sérieux. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas là. En plus j'étais complètement à droite. Je pouvais pas me décaler plus que ça. Fait chier, là franchement fait chier. Ah ouais, non, là ouais, là fait chier. J'étais bon là. De quoi je parlais? Oui, bah oui, des commentaires donc que j'avais eu sur la Wii U de Mario, du Mario 3D. Oui, donc voilà, les critiques, je trouve pas forcément ça nul. Ça dépend. Dans les direct live, je trouve ça inintéressant parce qu'un direct live, faut le prendre comme un direct live. Que je dise blanc ou noir. C'est pareil, je veux dire, le jeu peut être génial, je veux dire qu'il est pourri, le jeu peut être pourri, je peux dire qu'il est génial. C'est un direct live, il n'y a aucune préparation. Donc les critiques, je veux dire, inutile, comprenez-le, inutile. Par contre, une review, une présentation, ben là oui, c'est utile, parce que théoriquement, je dis réellement ce que je pense. Ce que je dis, c'est réfléchi. Ce que je dis, c'est mon avis. Même si dans le cas de Mario 3D Land, je trouve que j'y étais un petit peu fort, quoi. Par exemple, au moment où je vous dis qu'il faut que Nintendo ils arrêtent avec le fanservice, avec la musique, le jingle de Link, bah oui, c'est complètement débile. Parce que d'avoir dit ça, c'est complètement stupide, voilà. Parce que non seulement... Le pire, c'est que c'est même pas ce que je pensais, parce que moi, ça m'a plu, ça m'a fait rigoler, quoi. Et pourtant, vous voyez, je sais pas pourquoi, je me suis senti obligé de dire que Nintendo, il fallait qu'ils arrêtent. Alors, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, surtout qu'en plus, des petits clins d'œil, des petites références comme ça, c'est pas la première fois qu'ils en mettent. Hein. Ils en ont mis dans plein de jeux, et ça ne m'a jamais gêné. Et j'ai toujours trouvé ça sympa, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je dis, il faut pas forcément le prendre pour argent comptant. Il faut pas forcément le prendre... Tiens, tiens, tiens,
Ah, je suis con, j'aurais peut-être me balancé sur Monsieur Balthazar, là, tiens. Balthazar, le salopard. Ouais, j'aurais... Oh, attendez, je suis bon, là. Attendez, il y a partout ligné. Non, culé de Valkyros. Oh, Valkyros 78, je te retiens. Non. Mais putain, je savais pas si elle allait... Putain, la Bilbol, je l'avais entendu, je savais qu'elle allait arriver, mais je savais pas si elle allait passer par la droite ou par la gauche. En fait, elle a pris le truc à la corde. Putain, je prends pas d'item, fais chier. C'est pas grave parce que c'est le premier tour, mais j'ai intérêt à me concentrer. Faut que je fasse le maximum de dérapage possible. Allez! Ouf! Putain! Oh non! C'est incroyable. Je me suis décalé exprès pour l'éviter parce que je pensais qu'il allait foncer sur moi, le Gwimdor. Et finalement, il s'en foutait complètement de ma gueule. Il passait à gauche. Et du coup, je me suis décalé sur lui. Voilà, maintenant je suis mort, j'ai eu un éclair, mais je suis super loin, regardez sur la map, on voit toujours le tracé à droite. Je suis trop loin, à part s'il me faudrait vraiment des items de ouf. Allez, il me faudrait vraiment des items de ouf. Qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, non, c'est pas mal, mais... Ah ouais, ok, voilà, c'est pas mal, mais pour ce circuit, c'est pas génial. Voilà, et en plus, je le perds au moment où je dois l'utiliser. Merde, fais chier. J'étais bien parti, mais là, ça sent le roussi. Alors quoi, Gwimdor, je sais pas ce qui lui arrive. Il est au ralenti, il doit avoir un petit souci. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Un bon item, s'il vous plaît. Allez, merde. Oh. Je peux même pas les utiliser, putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, toi je t'écrase. Je sais pas, c'est un mélange en fait entre manque d'entraînement mais également de malchance, je dirais, parce que sérieux, il m'en arrive quand même des vertes et des pas mûres dans cette pensée. Allez, faut que je... On passe où là? Oh, je vais me faire écraser. Ah putain, j'ai pas eu de bol. Ah si, quand même, j'ai eu un autre item. Ah mais putain, encore ça, mais j'ai pas de bol. Putain. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai pas de bol avec cet item. Bon, je vais l'utiliser après. Oh, énorme, énorme, putain, c'est phénoménal. Je le garde exprès pour l'utiliser là. Je vais l'utiliser maintenant parce que là, on est en bonne ligne droite. Puis, ici aussi. Et un éclair qui arrive, qui me fait perdre l'item. Je ne pourrai plus remonter. Merci beaucoup. Ah non, vraiment, ce jeu, il est ultra frustrant. Putain. C'est vraiment trop basé sur la chance. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Ouais, comme tout à l'heure. J'ai un item de ouf, parce que regardez, c'est la fin, et ça ne sert plus à rien. Oh putain. Ouh, les mecs, je vous jure, je suis vraiment énervé. Ah, je suis chaud bouillant. Ouh. Allez, combien je vais finir en tout? C'est la fin, non? Non, je pense que je suis 7ème. Je suis dégoûté, parce que là, je suis 7ème, j'aurais pu être... Ah, j'aurais pu être dans les... Ouais, dans les 3, dans les 4 premiers, là, si j'avais... Fiché. Aïe 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 aïe, j'ai vraiment pas de bol. Je pense que c'est la dernière course. Ouais. Je pense que c'est la dernière. C'est énervant, c'est juste énervant. Allez, encore aléatoire. Donc, est-ce que je vous ai... De quoi je parlais déjà? Je sais plus. Je sais plus de quoi je vous parlais, dis donc. De quoi je parlais? De quoi je vous parlais? Ah oui, des critiques constructives. Oui, donc voilà, il faut pas forcément... Vous n'êtes pas obligé d'être 100% d'accord avec ce que je dis. C'est ça que je veux dire. À chaque fois, c'est que mon avis, vous savez, vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire en disant « Ah, Hooper, il a toujours raison. » Si vous le pensez, d'accord. Si vous êtes convaincu par ce que je dis, ok. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ben vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous avez un autre avis. C'est pas grave, hein, je vais pas vous en vouloir pour ça, hein. Voilà, sachez-le, hein. Bon. Voilà ce que je voulais préciser. Ah bah t'es dernière course sur la Rainbow Road, donc vous savez quoi? Je vais mettre le paquet sur la Rainbow Road. Concentration. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Ah putain d'éclair. Et ouais, je crois bien que c'est une, c'est un remix de la, du premier en fait, de la, du premier thème de la première Rainbow Road. Il n'est pas complètement similaire, mais j'ai l'impression que dans le ton, c'est un petit peu la, la même chose. Mais pas complètement en fait, je sais pas. Il faudrait faire un véritable dossier sur ça. Ouais. J'en suis pas certain. Ça me dit quelque chose. Je dois bien avouer que j'en suis pas certain. Ouah. Et là, je crois bien. Oh. Putain. Et je suis cinquième. Ça pourrait le faire. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, sérieux? Ouais, le pauvre, voilà, le pauvre. Merci beaucoup. Et j'ai pas... Et, ah, putain, il est clair juste après. Attends, là, j'ai pas compris. Sur Monsieur Johan, là. Sur Johan. Je lui ai rentré dedans avec une accélo. Et il m'a repoussé. Alors là, j'ai pas compris. Pourtant, il devait pas avoir de banane ou de carapace. Sinon, je me serais fait... J'ai pas compris. Peut-être c'est parce qu'il avait une carte robuste. Alors là, franchement... Merde, j'ai pas eu d'item, putain. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je lui demanderai sur le forum. Hein. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû le démonter. Ouais, j'aurais dû le démonter. Non, j'ai rien eu. Ah, oh, mais c'est pas possible, j'ai rien eu. Comment tu veux que j'y arrive aussi? Putain, je suis second. Je sais pas trop comment ça se fait. Je commence à me demander s'il voudrait pas me laisser gagner cette course. Hein. Non, 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 non. Oh, il faut que je... Ah, merde, un item de merde. Pas de bol. Pas de bol là. Je sais pas trop ce que Bart a eu. Oh putain, on est au coude à coude. C'est quoi ça? C'est la victoire de tous les grands prix qu'on joue là. Parce qu'évidemment, celui qui gagne là, en fait, il a tout gagné. Hein. Ça, vous l'avez compris. Non! Enfoiré! Il a piqué l'item! Ah, j'ai pas de bol! Eh merde, il va me niquer, c'est sûr. Et merde! J'ai pas de bol! Peut-être pour les trois items, j'étais persuadé qu'il allait aller à gauche de prendre le cadeau. Le cadeau bonus de gauche, donc je suis décalé à droite et au dernier moment, cette espèce de gros cracoucasse, il se décale sur la droite et il me pique mon cadeau. Si ça c'est pas du maître en foireuse de chez maître en foireuse de gros Bartounine, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ben on a fini. Et je suis dégoûté parce qu'honnêtement, putain, les deux courses précédentes, là j'ai joué de malchance. Putain, je méritais une meilleure place que ça et je pense qu'à ce grand prix, au moins celui-là, là, je finis que 7ème. Putain, j'aurais pu finir 3ème ou 4ème, je pense. Bah, là, honnêtement, j'ai joué de malchance. On peut dire j'ai joué de malchance. Bon, bon, ben c'est mort. Voilà, j'aurais fini. Voilà, j'aurais eu une sale place aux 4 Grands Prix. Voilà. On s'arrête donc là. Bon, ben écoutez, je pense que je posterai cette vidéo. Ça sera certainement la prochaine vidéo. Hein. Je vais essayer de manier pour le montage, tout ça, tout ça. Donc, je vais en profiter. Ben voilà, pour vous souhaiter donc des bonnes fêtes, voilà, un joyeux Noël, un bon réveillon, et tout ce qui va avec, forcément. Moi, je vous retrouve bien sûr sur le site, et notamment sur le forum, comme d'hab. Voilà, j'espère que Papa Noël vous gâtera avec les cadeaux, qui vous apportera plein de jeux tout rond. Attendez, je vais quand même leur dire bye bye. Je vais leur dire... On va leur dire... On va leur dire... Non, on va leur dire bye bye. Hein. Voilà, on va leur dire... voilà, merci pour ce bon moment. Même si bon, il était pas si bon que ça, je dois dire. Et on va leur dire bonsoir. Non, mais comment on dit bye bye là? Ah voilà, bonne nuit. Et à la prochaine. Voilà. Et donc, eh bien, comme je viens de mettre sur le. Je viens de leur écrire, je vous dis donc bonne nuit. Et à la prochaine. Et bonne année, tiens. Allez hop, bonne année en avance. Il y aura encore au moins une, voire peut-être même deux vidéos avant l'épopée du 31. Une, c'est sûr. Un direct live. J'en dis pas plus. Et peut-être deux vidéos, il y aura peut-être une interview. Ah, peut-être une interview exclusive sur Hooper.fr. De qui, de quoi, de comment. Ah, je garde la surprise, surtout que c'est pas sûr à 100%. Normalement, ça va être bon, mais c'est pas sûr à 100%. Allez, je vous laisse donc sur ce suspense insoutenable. Je vous dis bye bye. Bon, eux, apparemment, ils vont continuer.
moi je vais quitter. Et donc, ben voilà, bye bye, à la prochaine et bonne année en avance.